Ici, au Mont-Grand-Fond, on fait l'installation d'un 6 places détachable d'Oppelmeyer, un modèle unigé. Ça va être un très bel appareil. On travaille là-dessus depuis longtemps, puis on va livrer ça pour la saison qui s'en vient, 24-25. Nous, on commence du sol, on fait l'excavation, on met le béton en place, puis ensuite, on installe les tours, on monte jusqu'au pylône, tête de tour, tirer le câble. On fait l'installation complète de la remontée de A à Z. On utilise l'hélicoptère principalement pour les endroits non accessibles avec des grues, comme ici on a des bons pitchs, des bonnes pentes. Donc avec l'hélicoptère, on va être capable de se rendre à des endroits qu'on n'est pas capable d'aller avec des appareils conventionnels. Puis dans les prochains jours, on fait des héliportages avec un Super Puma avec une capacité de levage d'environ 4 à 5 tonnes. Et sur ce projet-là, on travaille là-dessus depuis près d'une dizaine de jours à tout préparer pour que ça soit une réussite. Une journée comme aujourd'hui, on va avoir plusieurs challenges. Donc si c'est trop venteux, si la pluie se pointe, le pilote ne voit pas bien, nous, ça devient glissant, donc on est obligé d'arrêter l'opération. On est en ligne là-dessus depuis plusieurs semaines, on regarde la météo régulièrement. Puis là, ben, aujourd'hui, on a eu un trou dans le ciel, puis on en a profité.